Maintenant, appelée localement Haran El Bahia, Oran la Radieuse est la deuxième plus grande ville d'Algérie et une métropole importante de la Méditerranée, située au nord-ouest de l'Algérie, à environ 430 km de la capitale Alger. La ville est le chef-lieu de la wilaya d'Oran. Oran est connue pour être une ville de culture. La ville dispose de plusieurs cinémas, centres d'art, un théâtre régional, un théâtre en plein air, théâtre de verdure et un musée. Cette ville regorge de sites historiques fascinants qui témoignent de son riche passé, comme la mosquée du Pacha, la citadelle d'Oran, le fort Santa Cruz, la cathédrale de Sacré-Cœur, le palais du Bey. Oran est une ville cosmopolite. La ville s'imprègne de l'influence de ses occupants successifs. La ville possède une identité arabe, berbère, espagnole et française qui lui donne un caractère significatif et un charme naturel. Aujourd'hui, la ville est devenue une importante métropole d'Algérie, possédant un grand port de marchandises et de voyageurs et trois universités. Chaque année, ce sont des milliers de touristes qui envahissent ces sites et qui traversent ainsi des siècles d'histoire. Mais la ville d'Oran possède également d'autres atouts touristiques, notamment ses plages. Le littoral oranais bénéficie d'un cadre côtier exceptionnel et propose de nombreuses plages autorisées à la baignade. Je pense que Oran est une ville incontestablement touristique. Les atouts dont elle dispense, sa nature, son climat et ses monuments, font d'elle une destination de plus en plus privilégiée. Des moments de découverte et d'expression sont garantis au randonnant dans cette ville classée deuxième d'Algérie.